l'auteur du livre Histoire de l'Osé, de la Russie tsariste à l'occupation en France 1912-1944. L'œuvre de secours aux enfants, du légalisme à la résistance. C'est une deuxième édition revue et augmentée parue à l'Harmattan dans la collection Chemin de la mémoire. Donc pourquoi avoir écrit ce livre Histoire de l'Osé ? Il faut rappeler que c'est une deuxième édition revue et augmentée, puisque le premier ouvrage est sorti en 1990. Ce premier ouvrage était issu d'une thèse de doctorat en histoire soutenue à l'université Paris 7. Et actuellement, nous fêtons le 100e anniversaire de l'œuvre de secours aux enfants, qui est une vieille organisation juive caritative médico-sociale qui est née en Russie tsariste en 1912. Donc vous abordez la période 1912-1944. Pourquoi cette période en particulier ? Parce que l'Osé est né en 1912, donc il était important de comprendre la genèse même de sa création. Pourquoi est-elle née en Russie, principalement dans les shtetls, c'est-à-dire dans les bourgades juives, dans des foyers de misère, où il y avait de grandes épidémies, où le physique même de la population juive était menacé de mort, et de comprendre comment l'Osé a pu aider ces populations, qui est venue ensuite à Berlin, et qui ensuite, avec la montée du nazisme, l'Osé s'est installée à Paris en 1940. 1940, occupation de la France, l'Osé a joué un rôle majeur dans le sauvetage dans le sauvetage des enfants juifs qui étaient persécutés et qui étaient menacés de déportation, à savoir menacés de mort. Et aujourd'hui, quel rôle joue l'Osé ? Actuellement, l'Osé existe encore. Elle joue un rôle extrêmement important pour le devenir de l'enfance, juive et également non-juive. Et elle a pignon sur rue. Elle a toujours cette vocation médico-sociale envers les populations les plus démunies, les populations les plus pauvres. Donc, quel est votre parcours personnel et qui vous a amené à écrire ce livre ? Je suis moi-même historienne, j'ai créé et dirigé le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation de Lyon entre 1990 et 2001. Et pour moi, il était important de fêter à ma manière le 100e anniversaire de l'Osé en publiant un ouvrage revu et augmenté, puisque lorsque j'ai fait cette thèse de doctorat, j'avais une masse de documents que je n'ai pu exploiter. Et je me devais exploiter ces documents et une manière à moi de rendre hommage à l'œuvre de secours aux enfants qui, n'oublions pas, a sauvé plus de 4000 enfants juifs pendant la guerre. Quelle est la conclusion qui émane de cette histoire ? Peut-être une conclusion certes réaliste, mais peut-être de justice sociale, peut-être d'entraide et de solidarité, car n'oublions pas que si l'œuvre de secours aux enfants a pu sauver autant d'enfants juifs pendant la guerre, c'est bien également aussi aux justes, qu'on appelle les justes, mais aussi aux anonymes, c'est-à-dire aux non-juifs qui ont œuvré et qui ont sauvé tous ces enfants pendant la guerre.